Et maintenant, mesdames, messieurs, je reçois... C'est un mot qu'on dirait inventé pour... Richard Cocciante. Bonjour. Voilà. Bonsoir. Très heureux de vous avoir, Richard. Le 23 mai, début à Londres, première au Dominion Theatre de Notre-Dame de Paris. Ça s'appelle Notre-Dame de Paris en anglais ? Ça s'appelle Notre-Dame de Paris, oui. Avec Tina Arena dans le rôle d'Esmeralda. Et qui y a d'autre ? Il y a Garou. Ouais. Il y a Pelletier. Ah, Pelletier. Bruno Pelletier. Bruno Pelletier, je l'adore. Ah. Il y a le clopin qui est Luc Merville. Et Daniel Lavoie, ouais, dans Forlot. Ah oui, il y a beaucoup de gens. En fait, comme c'est des Québécois, ils peuvent chanter aussi bien la version française que la version... Voilà. Vous êtes malin. Alors, ce soir, on a annoncé le spectacle de Michel. C'est quand ? C'est au gymnase, la date ? Oui, le 15 septembre. Vous, c'est le 26 septembre, ouais. C'est où ? Folie Bergère ! Voilà. Ben, ce que je peux vous dire, c'est que le 6 février 2001, à Bercy... Sous vos applaudissements. Voilà. Richard Cocciante. Alors, Notre-Dame de Paris, vous l'avez écrit entre 1994 et 1996 avec Luc Plamondon. Et vous dites que, parallèlement, vous aviez envie, parallèlement à votre carrière de chanteur, de composer quelque chose de plus ample, une œuvre. Oui, vous savez, c'est un petit peu ce qu'on ressent à un certain moment de la carrière. Ça fait que moi, j'ai quand même 25 ans de carrière en tant que chanteur. Et bon, je composais mes propres chansons. Mais il y a eu un moment où je me suis dit, enfin, il faut grandir parce qu'on ne peut pas rester chanteur toute la vie. Mais alors, ce qui est extraordinaire, Richard Cocciante, c'est que vous avez mis de côté une dizaine de chansons, hein, petit à petit, comme ça, il a fait son petit magot. Donc, j'avais composé. Il y avait Belle, vous l'avez fait il y a 10 ans avant. Oui, Belle, Lune, Le Temps des Cathédrales, tout ça, j'avais composé avant. Je ne savais pas que ça aurait pu devenir ça. Ouais. Et j'ai mis de côté ces airs parce que je me suis dit, jamais je pourrais mettre ça dans un disque. Ouais. Voilà. Et je vous avez gardé comme faire. Ça. Oui. Je ne savais pas quoi en faire, et puis j'ai rencontré Luc, et il m'a proposé, il a écouté ces chansons. Il a eu l'idée du livret, enfin, l'idée de Notre-Dame de Paris. Absolument. Mais vous, toutes les mélodies, vous les aviez, Le Temps des Cathédrales, Belle, vous les aviez. Vous connaissez cette version-là ? Belle, c'est un mot qu'on dirait, inventé pour vous, Belle. La connaissez ? Je la connais. Je l'ai entendu. C'est qui ? Je ne sais pas qui c'est. C'est Francky Vincent, bravo. On applaudit Michel Bernier. C'est un petit blind test. Et puis il y a cette version-là aussi. Il y en a marre de ces trois gros couillons qui passent sur Europe, TF1 et RTL. On nous bassine de ce gros pain toute la journée. Donc quand un tube est un tube, c'est repris par Francky Vincent, c'est repris par Laurent Gérard, c'est repris par tout le monde. Alors vous, vous êtes né à Saïgon. Oui. Bizarrement, mère est française, oui. Votre père italien. Et quand vous êtes de 11 ans, vous êtes parti en Italie, à Rome. Vous êtes d'une famille musicienne quand même. Hein, votre tante était musicienne. Ouais. Et on chantait beaucoup. Vous chantiez beaucoup à la maison. Vous chantiez de l'opéra. Voilà, c'est pour ça que vous avez le sens de la mélodie comme ça. Vous écoutiez beaucoup d'opéra. Oui. Mais c'est vrai que vous savez ni lire ni écrire la musique. Non, je suis autodidacte complètement. Et puis je me suis fait des règles au fur et à mesure. J'ai un sens harmonique assez développé. Bon, ça s'est fait comme ça. Ouais. Je me suis dit, un jour, je dois apprendre peut-être la musique. Et puis, j'ai un petit peu peur d'affronter le fait de l'apprentissage de la musique. Parce que quelquefois, l'instinct est fort et il ne faut peut-être pas le détruire. Donc voilà, je suis resté comme ça. Alors, ça a donné un certain nombre de chansons que tout le monde connaît. Il y a eu ça. Attraper un coup de soleil. Ah, elle connaît la version. Un coup d'amour, un coup, je t'aime. Je ne sais pas comment, je me rappelle. C'est un rêve super belle, je dors plus la nuit. Je fais des voyages sur des bateaux qui font l'enfant. Je me vois toute nue, je fais 7 heures. J'en dors plus bien voir moi. Mais tu n'es pas là. Et si j'aurais tant vu quand tu t'en vas. Et alors il y a ça. Oh, Inou. Alors ça. Est-ce qu'on peut baisser la lumière un petit peu, s'il vous plaît? S'il vous plaît, baissez un peu la lumière. Dans l'ascenseur déjà, le désir monte. Ça, c'est avec Fabienne, ça. Oui, Fabienne. Deux étrangers qui se rencontrent, stoppant leur course contre la montre. Seuls,
tout seul au bout du monde. Seul, là-haut dans cet hôtel de verre. Philippe, on pourrait danser. Oh là là, un là, là, ça se fait. Je t'ai offert un verre, j'ai allumé ma cigarette. L'alcool me montait à la tête. Les yeux dans les yeux, on a ouvert le feu. Il y a 3 milliards d'humains sur terre. Et combien de cœurs solitaires. Pourquoi nous deux? Pourquoi nous? On arrête, je suis désolé, moi j'aurais bien écouté ça jusqu'à la fin. C'est très rare, en tous les cas, Michel. Pour moi, sublime, c'est celle de tandem. Ah oui, les Fujo. Oui, celle de tandem, oui. Mais c'est rare qu'on les écoute aussi longtemps, les chansons des gens qui viennent, je vous le dis franchement, mais celle-là, j'arrivais pas à l'arrêter, la question de feeling, c'est trop fort. Il n'a pas besoin de parler en plus. Ah oui, non mais. On vous écoute, vous ne parlez pas. Ah oui. Ça, c'est très fort. C'est très fort. C'est très très beau. Très très belle mélodie. Alors vous avez une voix vraiment spéciale, une voix rauque, c'est le moins qu'on puisse en dire. Alors vous l'avez fini par l'accepter, même à l'exagérer un peu, non? Vous en jouez d'une certaine façon. Non, j'ai pas exagéré ma voix, mais je l'ai acceptée. J'ai accepté parce qu'au début, c'était pas évident. En Italie, j'ai un petit peu créé cette mode de chanter avec la voix rauque. Ouais. Mais j'ai accepté beaucoup de choses de moi. Hein. J'ai accepté moi-même, ma stature, le fait... Bon, vous mesurez combien, disons-le tout de suite. Oh. Pas plus qu'un mètre 60. Hein. Mais j'avais été là. J'ai compris. Mais ça fait partie, je crois, c'est très important un jour, comme ça, d'accepter complètement ce qu'on est, dans tous les défauts qu'on a, et d'en faire quelque chose de précieux. Mais qu'il dites-vous. Voilà. Mmh. Effectivement, ce Notre-Dame de Paris est un vrai tournant pour vous, parce que c'est la chose la plus importante qui vous soit arrivée depuis votre premier succès. Et Plamondon voulait que vous chantiez Quasimodo, vous soyez Quasimodo, et vous avez le courage de refuser, et vous êtes content parce que désormais, vous êtes considéré comme un compositeur à part entière et pas seulement un chanteur spaghetti, quoi. Oui, c'est sûr que le fait de... chanteur spaghetti, je pense à ça. Chanteur spaghetti. Bon, on dit western spaghetti pour parler de Sergio Leone, en même temps, c'est pas négatif. Mais au début, lorsque j'ai composé Notre-Dame de Paris, je me suis mis donc au piano et j'ai chanté moi-même tout. Donc, Luc se demandait, mais à qui on va faire chanter ces chansons? Donc c'est sûr que c'était... j'étais choisi, entre parenthèses, pour faire ce rôle de Quasimodo, mais... J'ai choisi, par contre, de ne pas le faire, de ne pas chanter dans Notre-Dame de Paris, parce que j'avais envie de m'exprimer en tant que compositeur. Et au-delà de ça, ça me donne une ouverture dans ma carrière. En fait, en tant que chanteur, j'ai aussi la possibilité de choisir la période avec laquelle sortir, faire un disque, ne pas faire un disque. Ouais. Ça me donne beaucoup plus de liberté et ça me fait accepter aussi mon âge. J'ai quand même 53 ans. Avoir 53 ans. C'est pas vieux, Bernard, 53. Non. Pour un chanteur, si. Bernard, il a 52, moi 51, et vous 53. Pour un chanteur, ça l'est. Parce que c'est là qu'on se demande. 51. Quoi, 51? Vous êtes de 48. Novembre 48. Il est d'une coquetterie. Je rêve. Il est d'une coquetterie. 52. Vous avez 51 ? Pour venir chez Ardisson pour se faire... Tu te rends compte. J'aurai 52 ans en novembre prochain. Bon, si vous êtes... Donc d'accord. Ok, excusez-moi, je suis désolé. Vous avez 51 ans. Il y a encore 5 minutes avant qu'il ait 52. Bien, en tous les cas... Même 53, c'est pas vieux, je vous rassure. Non, on vous le dit tout de suite. Non, mais comme... En tant que chanteur... Vous dites votre âge ? Absolument. Oui. Combien ? J'ai passé 70. Non. Oui. Hein, ça, c'est formidable. Et sans DHEA. Et sans DHEA, mesdames, messieurs. Ah ouais, bien conservé, hein. Bon, on va regarder l'œuvre, donc la dernière œuvre de Richard Cocciante. Magneto, c'est...